De Libreville. Ils sont déjà dans la zone de Sassa, en route pour Coq. C'est Sylvia Bongo qui est au volant et
Ali Bongo est à côté, vitre baissée, enfin, il est derrière, vitre baissée, avec un aide-camp, pour donner l'impression qu'il va bien, alors qu'en réalité, c'est pas ça. C'est le même scénario fait par Bruce Lacruche Alianga, où on voyait Ali Bongo derrière, Bruce Lacruche Alianga au volant, et à côté, Fabrice Anjoua. Tout ça, c'est pour donner l'impression que tout va bien, qu'Ali Bongo visite les chantiers, qu'il contrôle la situation. Je voulais vous demander, vous les Gabonais qui voyez ce spectacle, n'êtes pas vous découragés. Ali Bongo va mal, contrairement à ce qu'on vous présente. Et d'après une source proche de son entourage, il a encore avalé 3, 9 comprimés, voilà. 9 comprimés pour tenir à ce rythme-là de la journée. Il aurait reçu d'abord le premier ministre du gouvernement pour donner des instructions. Et après, il s'est branlé pour Coq et Sylvia Bongo au volant. Voyez-vous, c'est une monarchisation du Gabon. Coq n'est pas un chantier familial. Et lorsque Ali Bongo, en tant que président par défaut du Gabon, s'y rend, il doit s'y rendre en tant que président du Gabon et ça devient une visite officielle. Ce n'est pas à sa femme de le conduire. Donc ici, ça vient démontrer à quel point Sylvia Bongo pense que le Gabon, c'est sa chose. C'est la plantation de son père et de sa mère. Et elle en fait ce qu'elle veut. Ce genre de spectacle doit cesser. Avec Brice Lacroix-Alianga, on pouvait comprendre, c'était son directeur de cabinet présidentiel et son directeur de cabinet politique, donc au PDG, ça pouvait passer encore. Mais Sylvia Bongo, son épouse, ne doit pas être présente dans sa vie politique et servir de chauffeur. Donc tout ça, c'est pour essayer d'envoyer une image du genre, il va bien, il a visité. Et le soir à la télévision, leur télévision, notre télévision qui est devenue leur télévision, ils vont vous diffuser ce genre d'image pour donner l'impression que tout va bien. Et là encore, si nous étions dans un pays sérieux, les institutions devaient interpeller Sylvia Bongo sur le rôle qu'elle joue maintenant sur son omniprésence dans la sphère décisionnelle de l'État. Le président est une institution, ne peut pas être baladé comme ça, comme un animal de compagnie. Je sais que bientôt arrive Noël et que cette poupée de cire qu'on appelle Sylvia Bongo manque de poupée. Peut-être a-t-elle besoin d'une poupée. Alors, je voulais demander à ce bonobo de lui offrir une poupée avec les yeux qui clignotent pour qu'elle laisse Ali Bongo tranquille. Qu'elle laisse Ali Bongo se reposer, que de le balader comme ça. Tout le monde sait qu'il va très mal. Donc, voyez-vous, cette femme, Sylvia Bongo, cette homasse de Sylvia Bongo, manque de pudeur. On la voit présente partout. Même lorsqu'il s'est agi du coronavirus, quand il fallait réceptionner les équipements, c'est elle qui était là. Quand il fallait aller réceptionner la salle où, comment ils ont appelé ça, l'hôpital ambulant qui a été installé dans un stade, Sylvia Bongo était là, mais en tant que qui? Et tout ça, vous avez des palapalas comme Marie Machin-Boranso, qui est incapable de faire appliquer la loi parce que c'est une corrompue jusqu'à la moelle épinière. Et tout ça, il faut absolument que ça prenne fin. Elle en fait un peu trop. Sylvia Bongo en fait un peu trop. Et ce soir à la télévision, leur télévision, ça va être ça, certainement qu'on va balader. Vous verrez sur Facebook, bientôt vous allez voir des images. Comme pour eux, c'est une prouesse d'avoir baladé leur mascotte à travers la ville et dans une localité située
hors du périmètre urbain. Donc tout ça, il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ce genre de choses. Est-ce que les autres présidents n'ont pas de femmes en Afrique? Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi, alias Fat, bon les autres le préfèrent Fachi, en Bandaka on l'appelle Fachi, moi je préfère l'appeler Fat. Félix Antoine Tshisekedi a même deux femmes. Est-ce que vous avez vu Félix Antoine Tshisekedi se balader la femme au volant comme ça? Non. Emmanuel Macron en France. Vous voyez que ça, la femme se balade comme ça, le traîner, aller visiter. Mais pourquoi c'est au Gabon, on accepte ça? Mais diantre, pourquoi c'est Mabou le militaire accepte ça? Pourquoi nous, Mabou le militaire accepte ce genre de... On se moque des Gabonais. C'est l'occasion de dire, bon, vous voulez rester là-bas en coque, on ferme la route, on dit, vous restez là-bas, on dit, Ali Bongo, tu restes là-bas. Puisque tu es parti avec ta femme en escapade. On ne va pas visiter le chantier public en faisant preuve de cette sentimentalité de basse classe. Donc, au moment où je vous parle, ils sont déjà arrivés en coque, voilà. Ils sont déjà arrivés en coque. Et la vitre d'Ali Bongo est baissée pour montrer aux gens qui sont à côté que naturellement, Ali Bongo est là, il va bien, mais il a même du mal à lever la main, il est tellement fatigué, il va même ronfler certainement, puisque quand il prend ses comprimés-là, dès qu'il monte dans la voiture, on m'a même dit qu'il somnolait au départ. On m'a dit qu'il somnolait au départ. Donc, là encore, ils vont accuser les gens qui sont de la sécurité de m'avoir donné l'information, mais malheureusement, c'est ça, c'est triste ce qui arrive au Gabon. C'est triste de voir les institutions laisser cette situation-là pourrir comme ça. Ou Ali Bongo. Ali Bongo, donc, n'a pas de parents. Donc, c'est là qu'il disait, non, faisait, non, flamme, machin. Elle n'a plus de parents, là, l'autre, pour dire, arrêtez ça. Donc, franchement, je venais vous alerter, parce que le soir, vous verrez, d'ici à ce soir, vous allez voir des images sur les réseaux sociaux, où on va vous présenter Ali Bongo visitant des chantiers. Avec sa patte qu'il traîne, et on va vous dire que oh, tout va bien, il ne va pas bien. C'est des histoires. Et là, ils vont le tuer. Et le problème de Sylvia Bongo, c'est quoi? Sylvia Bongo s'en fout, qu'il meure aujourd'hui ou demain, tant pis. Sylvia Bongo a déjà ses bonobos qu'elle a choisis. Elle a ses bonobos. Donc pour elle, c'est hérité. Et là encore, il y a deux cas. Elle, c'est l'héritage qui l'intéresse. Donc elle va le pousser au tombeau. Quand elle verra qu'elle n'en peut plus, elle sera obligée de le pousser au tombeau. Et c'est bien dommage que les extrémistes teke, qui font souvent la fine bouche, je n'ai jamais vu des gens maboule comme les extrémistes teke, ils laissent des choses faire comme ça. Ils sont forts pour pointer les armes aux gens. Voilà des tocards comme ça, là, les extrémistes teke. Pas tous, hein, je parle des extrémistes, parce que les gens ne comprennent pas le français. Je sais que mes beaux-parents, là, ils ont un problème aussi pour comprendre. Donc, les extrémistes, c'était qu'ils sont forts pour faire la fine bouche, ils ont les munitions, ils ont tout. Ils n'arrivent pas à siffler à la fin de la récréation. Mais je n'ai jamais vu de ma boule comme ça. C'est une petite fille, là, Sylvia Bongo, qui vient maintenant commander les hommes. Il n'y a pas plus ma boule au Gabon que les extrémistes, c'était que. Je n'ai jamais vu de ma boule comme ça, là. C'est terrible. Et tout ce spectacle, là, ça se passe, ils applaudissent. Sylvia Bongo prend le véhicule de fonction d'Ali Bongo, elle conduit ça en tant que qui? Sa place à la cuisine, sa place à la chambre. Elle conduit le véhicule de la présidence en tant que qui? Il n'y a pas de chauffeur. Donc il n'y a pas de chauffeur là qui sont payés pour ça. Voilà où va le Gabon. Donc franchement, ils ne vont pas en délire de ma chère. S'ils veulent faire le délire dans la nature, ils choisissent ailleurs, ils n'ont pas allé en coque. Coque là-bas, c'est la zone économique, c'est pas pour eux, c'est pas leur propriété, même s'ils ont installé Olam là-bas, ils pensent que c'est pour eux, mais c'est pour l'État gabonais, c'est pas pour eux. C'est pour l'État gabonais. Voilà. Donc, moi je veux dire, au Maboul extrémiste, c'était que là, qui laisse ça là faire, que c'est des pauvres types. Parce que ça ailleurs, même quand on parle de mes beaux-parents, fans là, machin, peut-être les fans n'auraient pas accepté ça. Finalement, les plus rigolos au Gabon, ce sont les extrémistes et qu'elle a.
L'éléphant n'aurait pas accepté ça. Donc, voilà ce qui se passe. Ils sont déjà arrivés là-bas. J'ai des informations là précises. Et même cette sorcière de Sylvia me suit. Elle est connectée avec son compte Choco Gabon. Elle suit la vidéo. Et c'est sûr qu'après, elle va demander le compte à ses collaborateurs pour dire qui a donné l'information à Melinda. Voilà. Donc, c'est comme ça. Vous voyez quelqu'un comme ça qui vient maintenant commander les gens. Et il y a des maboules, pères de famille qui sont là, qui parlent sous cap, qui sont incapables de prendre des décisions pour dire que non, ça suffit comme ça. C'est terrible. Et c'est à cause de ça qu'elle ne nous respecte pas. Je vous dis souvent que si tu joues avec le chien, il te léchera la figure. Si tu joues avec le chien, il te léchera la figure. Donc il faut une action résolue contre cette femme-là pour qu'elle arrête ce qu'elle est en train de faire là. C'est de l'imposture. Son poste n'a pas de prérogatives constitutionnelles. Être première dame, ce n'est pas un poste constitutionnel. On ne connaît pas ça. Ce n'est pas constitutionnel. Donc on doit mettre un terme à cette situation. Mais il y a des maboules qui sont là pour applaudir des choses comme ça. C'est une honte. C'est une honte. Et tant qu'elle n'est pas inquiétée, elle va continuer. Je vous dis souvent, lorsque le singe tombe d'un arbre, s'il ne se blesse pas, il reprend à jouer. Lorsque le singe tombe d'un arbre, s'il ne se blesse pas, il reprend à jouer. Voilà. Donc, voilà la situation. Donc, la mascotte Ali Bongo est traînée en ce moment du côté des coqs. Et le soir, on va montrer quelques images coupées, 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 où on coupe la pâture, on le voit tirant la patte. Oui, ils vont couper ça, et puis pour dire que non, il va bien. On ne voit que les photos où il accueille les gens, on ne voit pas où il marche. On le dépose maintenant comme une poupée. Donc, Ali Bongo, c'est juste les images, on voit la machin. Il faut qu'il marche, après il ne marche pas. Parce qu'on a envie de. On cache quelque chose qui va mal. Voilà la réalité. Mais vraiment, même ma boule, vos parents, là, je n'ai jamais vu de gens ma boule comme les batekas, là, les extrémistes là. Je n'ai jamais vu de ma boule comme ça. Là. Ils ont les armes, ils ont les munitions. Ils ne peuvent pas rétablir l'ordre pour dire que ça suffit comme ça, on arrête. Pourquoi ils sont ma boule comme ça là? C'est dommage. Tous ces spectacles, moi ça m'énerve. J'étais en train de me reposer et quand on m'a envoyé l'information, ça m'a choqué que je me suis dit, on peut me reposer. C'est choquant. Donc voilà l'information en ce milieu d'après-midi. Et le soir, attendez voir les images sur les réseaux sociaux. Ils vont vous montrer cette mascotte-là. Sur le chantier, comme d'habitude, bien il va mettre sur, ils vont écrire sur sa page de la présidence de la République là, que non, il a visité ceci, il est allé s'enquérir de machin, n'importe quoi. Depuis qu'Ali Bongo s'est préoccupé de bien-être des Gabonais, c'est un pauvre type. Et c'est une honte. On accepte tout ça là. On accepte tout. On accepte tout au Gabon. Il y a qu'au Gabon, on voit ça. Il y a les autres présidents africains, on n'a jamais vu ça. Même le dictateur Sassou Nguesso au Congo. Vous avez vu Sassou Nguesso se balader avec sa femme Antoinette qui. Mais non, il y a qu'au Gabon. Comme c'est un pays où les ceux qui tiennent les leviers là, c'est des maboules, ils acceptent ça. Donc voilà l'information en ce début d'après-midi. L'information continue sur Facebook et Thank you.
Oh, yeah.